Chapeau de paille, petit pétou, c'est les vacances. Ouais. Et pour le corona, achik. Olé, 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 olé. Stade 1, stade 2, c'est le stade 3. Le corona, c'est la fiesta. Putain, mon vieux, même le voisin, c'est la psa, il passe la tondeuse à gazon, bah tu m'étonnes. Laisse tomber, mon gars. Hier, après le discours de Macron, tu regardais par la fenêtre, t'avais l'impression que c'était le nouvel an chinois, dehors. Les mecs, la dernière fois qu'il y a eu des festivités comme ça, c'était pour la Coupe du Monde. Putain, mon vieux, mais il a pas fini avec sa tondeuse à gazon. Ah bah, mon vieux, c'est comme ça. Tout le monde sont en train de célébrer dans la rue. Ils ont interdit les rassemblements de plus de 100 personnes. Ce matin, il y avait au moins 15 000 pélos qui couraient tout nus sur la plage. Plus sérieusement, les mecs, ne vous réjouissez pas trop vite. Ce sont des vacances forcées. Et plus sérieusement, tu vas la baisser, ta tondeuse. On s'entend plus parler là-dedans, mon vieux. Et oui, vacances forcées, les mecs. Et c'est pas forcément que du bon. Dans cette vidéo, je vais vous résumer les gros points clés de ce qui s'est passé dans le discours d'Emmanuel Macron hier soir. Il a quand même parlé pendant 30 minutes. Je l'ai regardé pendant 30 minutes. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont regardé également. Bon, bien que dès qu'il a abordé le sujet, dès lundi, les mecs, c'est les vacances. Tous les lycées, les écoles sont fermées. Le corona, ouais, c'est de la frappe. Alors ouais, effectivement, il y a pas mal de personnes qui se réjouissent de cette situation. Ils se disent, ouais, c'est cool, machin, c'est les vacances, il y a plus d'école. Si t'aimes bien le corona, tape dans tes mains. Non, sérieux les mecs, est-ce que vous pensez par exemple à ceux qui ont payé des études, et il y a des études qui coûtent extrêmement cher, à ceux qui passent des diplômes à la fin de l'année, je pense à ceux qui vont passer leur bac, ceux qui passent le brevet, ceux qui passent des masters, des licences, des CAP, des BEP, ceux qui passent toutes sortes de diplômes en fait. Et oui les mecs, il y a un programme à suivre dans le scolaire. Ouais, Jolat, c'est les vacances, mais plus de scrap. Et pip pip, le corona, c'est la fiesta. Et non les mecs, déjà je vous le dis, alors il y aura pas plus de scrap. Peut-être un petit ou deux quand même, je vais voir, peut-être faire une petite salle ou deux en plus pour la maison volante, mettre un peu plus de réacteurs, on verra. En tout cas, là n'est pas le sujet, on parlait du corona et des mesures prises par monsieur Emmanuel Macron, notre très cher président de la République. À nous tous, compatriotes français et françaises, on est tous et toutes concernés. Et ouais là les mecs, on est tous dans le même bateau. Bon, clairement, que s'est-il passé hier pendant le discours? Eh bien, on est passé au stade 3 les mecs. Hein. Stade 1, stade 2, c'est le stade 3. Oh, ça va, Jean-Mi, c'est bon, on se calme. Oh mais c'est pas vrai mon vieux. Bon, les nouvelles mesures, lesquelles sont-ils? Dès lundi, fermeture de toutes les crèches et de tous les établissements d'enseignement. Qu'est-ce que cela inclut? Les crèches, les écoles primaires, les collèges, les lycées, les facs, les CFA, les tout ce que tu veux, les AFPA, les centres d'apprentissage, tout, absolument tout établissement d'enseignement fermé dès lundi jusqu'à nouvel ordre. Ouais mais Jolat, du coup on est en VDI. C'est quoi ça encore VDI? Vacances à durée indéterminée. Alors oui, vous êtes en quelque sorte en VDI. Et oui, puisque selon une étude scientifique très sérieuse, les vacances scolaires réduiraient d'un quart la propagation de la grippe saisonnière chez les jeunes. Et pour le corona. Restriction des visites dans les établissements d'hébergement collectif. On ne va plus pouvoir aller rendre visite à papy et mamie dans leur maison de retraite. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Encouragement du public à utiliser des moyens de transport individuels. Alors attention, il n'a pas dit qu'il coupait les moyens de transport en commun. Pas encore. Ça va venir, vous allez voir. C'est-à-dire se déplacer en voiture, en scooter, en mobylette, en moto, en vélo, avec tes baskets, avec tout ce que tu veux, qui consiste à te déplacer individuellement. Ne plus se faire la bise, ne plus se serrer la main. Distance de sécurité entre deux individus qui communiquent de 1 mètre minimum. Minimum. C'est très sérieux tout ce que je vous dis là. C'est le code du coronavirus. C'est notre président de la République qui nous l'a dit. Eh ouais les mecs, déjà on parle plus d'épidémie, on parle de pandémie. C'est quelque chose qui nous touche à l'échelle mondiale. Eh ben nous voilà bien tiens. Alors souvenez-vous, au stade précédent, les rassemblements de plus de 5000 personnes étaient interdits. Eh bien à l'heure actuelle, c'est les rassemblements de plus de 100 personnes qui sont interdits. Ouais, 100 personnes, c'est que dalle les mecs. 100 personnes, ça peut représenter un mariage, un baptême, un anniversaire. Alors certes, ça fait quand même une bonne fiesta, mais ça se fait. Bien entendu, les élections municipales ne seront pas annulées. Alors attendons voir le taux d'abstention que cela va créer, mais je pense que ça devrait profiter à une majorité. Putain, je devrais me mettre à l'écriture, moi, en vrai. À l'heure actuelle, le port des masques n'est pas encore obligatoire. D'ailleurs, j'en profite pour passer ma petite annonce. J'échange un masque à gaz, les mecs, acheté sur Wish. Les filtres sont tout neufs, ils ont quasiment pas servi. Sont presque neufs. Voilà, donc si vous êtes sur l'île d'Oléron ou alentour, je l'échange contre une villa. Avec une piscine. Si vous n'avez pas la piscine, vous aurez que les lunettes. Non, mon gars, c'est que ça va valoir de l'or, ça, dans quelques mois. Je vous jure, dans quelques jours, t'as plus aucun vendeur de drogue en bas des quartiers. C'est fini. Parce qu'à gaz, j'ai l'hydroalcoolique, savon. Oh, vous rigolez, on va y arriver très vite. Au passage, c'est une annonce sérieuse, ça. Autre mesure prise, place au télétravail. Alors, télétravail, pour ceux qui le peuvent, hein, c'est-à-dire travailler de chez soi. Notre président de la République a assuré que les indépendants qui ne pouvaient pas faire de télétravail ou les personnes qui travaillent normalement en dehors de chez elles recevront des aides de l'État. Alors, des aides, on va pas toucher quelque chose. C'est simplement que vos prochaines cotisations pour le mois de mars, eh bien, vous pourrez les geler. D'ailleurs, si vous avez des enfants, un des deux parents pourra prendre un arrêt de travail de 14 jours et être payé à plein temps normalement. Vigilance pour les
personnes de plus de 70 ans. Limitez strictement les déplacements. On rappelle tout de même que les personnes les plus fragiles, ce sont les personnes âgées de plus de 70 ans, ceux qui souffrent de maladies chroniques, ceux qui souffrent de problèmes respiratoires, qui font de l'asthme. Donc toutes ces personnes doivent être encore plus vigilantes que les autres. Ça n'empêche pas que tout le monde doit être vigilant. Oui, bien voilà ce que je pouvais vous dire, ce qui s'est passé dans les grandes lignes de ce discours d'Emmanuel Macron. Et bien si vous avez kiffé mon petit résumé, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Emmanuel Macron a également dit que exceptionnellement allait avoir des promotions de dingue sur G2A. Donc n'hésitez pas à aller checker dans la description pour aller acheter vos jeux vidéo moins chers avec le petit code Jolat, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne. C'est le président qui l'a dit. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous. Le corona, c'est la fiesta. Stade 1, stade 2, stade 3.